Bonjour les enfants, bonjour les parents. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser une fabrication pour la fête des mamans. Nous allons réaliser un objet en pâte à sel. Donc, si maman peut ne pas rester tout le long de la préparation, si un adulte peut vous accompagner autre que votre maman, cela permettra de créer la surprise. Tout d'abord, je vais vous présenter les aliments et les éléments surtout que vous devez avoir en main pour préparer notre mixture en pâte à sel. Tout d'abord, munissez-vous d'un saladier, mais également d'une cuillère à soupe afin de vous aider à déverser dans le verre ou le saladier, car ensuite vous allez avoir besoin d'un verre. Dans ce verre, j'ai mis du sel fin. Vous avez vu, j'ai fait une petite trace avec un feutre pour prendre la mesure de mon sel fin. Donc j'ai un verre de sel fin et ensuite je le mettrai dans mon saladier. Je vais avoir besoin de 2 verres de farine. C'est pour ça que j'ai fait une trace sur mon verre pour pouvoir prendre la même quantité pour calculer la dose du verre. Mais également, il me faudra un verre d'eau tiède. Donc, j'ai mis de l'eau à chauffer dans une casserole, mais vous pouvez la mettre au micro-ondes ou simplement prendre de l'eau chaude au robinet si elle est suffisamment chaude pour être tiède. Et nous allons mettre tout cela dans notre saladier. Donc, préparez avec vous de l'eau tiède, une quantité suffisante pour avoir un verre de sel fin, de la farine, il nous en faudra 2 verres, et de quoi également, vous voyez, j'ai mis dans ce petit récipient avec un pilon, donc une sorte de broc avec un pilon, j'ai mis quelque chose dedans, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais l'écraser pour obtenir un colorant. Voilà, donc moi, chez moi, je n'ai pas de colorant alimentaire. Si vous avez du colorant alimentaire, vous pouvez utiliser du colorant alimentaire quelques gouttes pour mettre dans votre préparation, ce qui colorera votre pâte. Et pour la quantité de gouttes, c'est selon ce que vous avez envie. Donc vous pouvez faire des essais. Plus vous mettrez de gouttes, plus la couleur sera marquée. Je n'ai pas de colorant alimentaire, par contre, j'ai des craies. Donc je vais écraser mes craies grâce à mon pilon. Et je vais la mélanger à ma pâte. Si vous avez de la betterave en bocal, en boîte, en conserve, vous pouvez ouvrir votre boîte, manger une salade de betterave ou utiliser de la betterave pour faire une préparation. Et ensuite, mettre quelques gouttes du jus de betterave dans la conserve, dans votre saladier, votre pâte à sel. Et ainsi, elle prendra une belle couleur rouge, la couleur de l'amour ou rosée, selon la quantité que vous mettrez de pâte à sel. Nous nous retrouvons de suite pour cette préparation grâce à Lilou et Louise qui vont nous y aider. Donc, mes petits cuisiniers, mes petits scientifiques de la journée sont là, ils vont nous aider. Donc, Louise, qu'est-ce que c'est cet objet-là? Ça s'appelle un saladier. Très bien, Louise. Donc, dans cette saladier, Louise, tu vas verser ce verre de sel, c'est Tout. du sel fin. Oui, toute la quantité tu verses dans le saladier. Très bien. Maintenant, Lilou, tu vas prendre la farine et la cuillère à soupe et tu vas pouvoir verser dans le verre à hauteur du trait rose pour le remplir la farine et nous aurons le premier verre de farine. On peut bien sûr approcher le saladier afin d'éviter qu'il y ait des petites bêtises, des petites salissures. Voilà, donc vas-y, Lou. Prends une cuillère. Bon, tu peux y aller, hein, bien plus qu'une cuillère. Donc, bien sûr, toi, tu mets pause au fur et à mesure de la vidéo pour pouvoir réaliser la même chose. Donc, Lilou, tu es prête? Oui. Alors, tu peux verser le premier verre. Elle va remplir à nouveau le verre pour en avoir un deuxième. Donc, bon, tu vas peut-être arrêter, laisser ton frère continuer parce qu'en fait c'était à son tour de faire, je n'ai pas pensé. Voilà, donc ça peut être fait avec un frère et une sœur grâce à la vidéo en mettant pause. Vas-y, Oui. Louis. Louis, Oui. fais ce que je te demande. Donc, on met pause. Mets-toi bien au-dessus du saladier. Voilà. Et voilà, je pense que c'est bien la quantité. Tu peux verser.
Très bien. Donc là, nous avons mis nos deux verres de farine, notre verre de sel. Maintenant, nous allons pouvoir le mettre notre verre d'eau. Donc, Lilouane, retire s'il te plaît la cuillère du verre. Je vais verser de l'eau à hauteur. Et Louise va pouvoir déverser l'eau dans le saladier. Vas-y, Louise. Donc avec cette recette, je pense que nous aurons assez pour faire deux objets en pâte à sel. Très bien. Maintenant, nous allons utiliser ce récipient et le broc et nous allons écraser la craie pour faire notre colorant. Nous nous retrouvons dès que c'est fait. Voilà, donc les enfants ont écrasé. Je les ai un petit peu aidés pour écraser la craie. Nous allons observer ce que le résultat obtenu. Tu peux t'arrêter, Louis, s'il te plaît. Merci. Tu n'écoutes pas ce que je dis, Louis. Je vais me fâcher. Donc, voici ce que nous obtenons, que vous puissiez bien voir, une sorte de poudre rosée, rouge rosé. Et Lilou, tu vas pouvoir déverser dans le saladier. Vas-y. Verre. Très bien. Voilà, nous avons notre petite mixture qui est là. Et maintenant, Louis, avec la cuillère à soupe, tu vas pouvoir mélanger tout ça et nous terminerons avec les mains. Doucement, s'il te plaît, pour ne pas en mettre partout non plus. Lilou, prends le pilon et range-le, s'il te plaît. Ouais, tu peux peut-être faire tomber la poudre qui reste dans le saladier. Voilà, tu peux aller ranger. Mets-le dans les vitres. Une fois qu'on a bien mélangé avec la cuillère, on peut y commencer à mélanger avec les mains. Donc, Louis, fais tomber ce qu'il y a dans la cuillère avec tes doigts. Allez. La grande sœur, l'assistante, va pouvoir terminer de déverser ce qu'il y a dans la cuillère et Louise va pouvoir malaxer avec ses mains. Voilà. Et je pense que Lilou, tu peux aller mettre la cuillère où il faut. Alors, selon l'aspect qu'aura votre pâte, une fois le mélange et avoir bien malaxé, si elle est trop liquide, vous pouvez rajouter de la farine. Si elle est trop cassante, enfin, si elle est trop collante, vous rajoutez de la farine. Si elle est trop sèche, vous rajoutez de l'eau, bien sûr. Hein, vous faites en fonction. Nous allons vous montrer le résultat final. Voilà, donc nous avons réalisé une belle boule de pâte à sel, comme vous pouvez le voir là, bien colorée. Maintenant, cette boule, vous pouvez le voir, elle n'est pas collante, un petit peu, mais suffisamment pour pas qu'elle colle au doigt, et elle n'est pas cassante, elle n'est pas sèche. Donc on a trouvé la bonne texture, on a rajouté un petit peu de farine, car elle était un petit peu trop collante. Donc maintenant, nous allons découper cette pâte à sel en deux morceaux. Voici une boule pour chacun. Et votre enfant va pouvoir réaliser sa forme. Nous avons choisi de réaliser une forme en forme de cœur avec un cylindre au milieu afin que vous puissiez mettre vos bagues, maman. Pour que maman elle puisse ranger les bagues, ça va être un porte-bague, mais également ça peut être un porte-bracelet et on met les bagues sur le support en forme de cœur. Donc maintenant c'est moi qui vais prendre la main pour vous faire le tutoriel et ensuite les enfants la réaliseront à leur tour. À tout de suite.